ちゃ怒ってるって。Voilà ce qu'on peut avoir en moto, hein. Bon, il y a scooter aussi. Alors, on a une, deux. Celle-là, on la compte pas. Trois. 4 Honda 5 on la compte pas 6 et 7 8 avec celle qui vient de partir. Toute petite Jaguar F-Past, deux sorties d'échappement. C'est une électrique du coup. On va pas aller plus loin. Jaguar. Peinture brillante. Très bien. Voilà, du coup pour la petite Jaguar. Une petite Porsche, deux places. Des gens de luxe. Intérieur comme ceci. Avec un avant comme cela. Et quattro échappement. C'est tellement joli. Petite Porsche Panamera turbo aileron, hop, aileron ouvert, frein, oh, étrier de frein, rouge, siglé Porsche, mais les freins ne sont pas percés, mais sont sculptés. Des phares comme ceci, j'ai mis la lumière parce que sinon on voit que dalle. Un aileron comme cela, des échappements très très jolis. Porsche Panamera turbo. Qu'est-ce que c'est beau ça. Petite Audi S3, ancienne génération. Son style celle-là aussi. Siglé S3 sur le volant. Siglé S3 à l'avant aussi. Des jantes comme ceci. Petite S3, très 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 jolie. Maserati Gran Turismo, à côté d'un petit Seat bleu. Et une Porsche Boxster, ici. Avec une autre Porsche, mais bâchée. BMW série 3 cabriolet. Alors quel modèle, j'en sais rien. Je dirais une ancienne 911 1984. Dites-moi. Hein.
petite Mini Cooper S dans un garage souterrain centre-ville. Voici la Jaguar F-Type dont je vous parlais tout à l'heure, avec un bleu à paillettes, capote rouge, du coup c'est décapotable. Des jambes de Jaguar, frein ainsi en Jaguar. Y a pas de poignée de porte. Enfin si, mais ils sont cachés. Ce phare typique de la F-Type. Ce gros pot central, elle existe en double pot central aussi. Et en quatre pots de deux côtés. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer l'intérieur. Boîte manuelle, automatique plutôt. Un beau bébé. J'essaierai de la filmer tout à l'heure. La filmer rouler. Ford Puma gris, jante noire et grise. Ces phares sont stylés. Ford Puma. Elle est récente, on peut le voir sur les pneus. On se demande si elle sort peut-être pas même de hier du garage. Cette calandre noire. Et là-bas, il y a une Jaguar F-Type capote rouge bordeaux. Petite CLA 45 AMG. Des jantes AMG, frein AMG, gris mat. Turbo 4matic. Les sigles AMG à l'avant. Petit béquet, couleur carrosserie. Stylé. Une petite abarthe. Petite bombinette. Une Fiat 595. Abarthe. Cabriolet, bien sûr. Petite toile. Un beau petit béquet. Bon, là, je suis dans l'ombre, donc du coup, la qualité est dégoûtante. Mais, deux sorties d'échappement, comme ceci. Abarth. Boîte automatique, palette au volant, stylé. Pour ceux qui connaissent, ça plairait à Akram, ça. BMW série 2 cabriolet luxury. C'est très joli, série 2. Sauf l'antenne. Porsche Cayenne électrique. Des jantes comme ça. Étrier de frein vert citron. Comme ça. Poignée de porte en noir.
Ah, une petite 2008 bleue. Les toutes dernières Peugeot 2008 avec le pack Jetline. Donc, des échappements comme ça sur les deux côtés. Remarquez Jetline ici. Avec un bleu à paillettes, si vous pouvez le remarquer. Des jantes comme ceci. Un long profil. Là, c'est taillé ici. Un trait qui va par là, l'autre qui va ici. L'autre d'ici, il va tout en bas. Et t'en as un autre ici, là. Là, ça va là. Puis là, ça descend. Ils l'ont bien retravaillé celle-là. Et ensuite, on a aussi une Audi A5 S-Line. Des phares avant comme ceci. Aussi le S-Line. Deux échappements qui sont de l'autre côté. TDI Quattro. Audi. Des phares arrière comme cela, des jantes comme ceci, on va aller de l'autre côté pour voir les échappements. Qui sont ici. Et le sigle A5. Du chrome. Et voilà pour l'Audi A5 Pack S-Line. Alfa Romeo Stelvio. Très beau. Kia. Mercedes classe E et un Jeep. Et une petite Peugeot 208 GT Line. Des jantes de la GT. Si la GT ici. Du coup, qui dit GT Line? Sortie d'échappement ici visible, des phares comme ceci. J'ai passé, bon, je passe Peugeot 208, un prolongement comme ceci. Avec un toit panoramique et l'avant comme cela. Voilà pour la Peugeot 208 GT Line.